C'est en 2004 qu'on crée l'association, voilà, pour les dates, hein, 2004. Et jusqu'en 2011-2012, on fait avec les moyens du bord, quoi. On distribue nous-mêmes aussi, c'est-à-dire c'est nous qui allons voir mettre les livres en dépôt ou faire de l'achat ferme en librairie en ciblant quelques librairies dans toute la France, en jouant aussi avec notre réseau d'auteurs. Donc c'était très confidentiel, mais en participant à des festivals et en rencontrant les autres acteurs, etc., petit à petit, on commençait, ben, nous, à grossir parce qu'on avait de plus en plus de livres et à connaître un peu tous les acteurs. Et on est arrivé rapidement en 2011 à une situation où on avait de plus en plus de demandes de libraires et qui nous demandaient beaucoup trop de travail et on ne savait pas trop. Et on s'est dit, ça serait peut-être le moment de sauter le pas et de passer en distribution, diffusion professionnelle en allant voir les distributeurs, diffuseurs, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On n'avait pas trop d'idées là-dessus, si ce n'est que lors de plusieurs expositions, il y avait déjà les belles lettres qui nous avaient un peu fait du pied en disant, si un jour vous voulez être diffusé, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a été les voir et ils nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait tout ça. Ça, c'est en 2012, donc du Et ça, c'est coup. en 2012. Et on décide en 2012 effectivement, de faire appel aux belles lettres pour être diffusé, distribué dans toutes les librairies. Donc, ce qui implique aussi augmenter les tirages. Là où aussi on faisait beaucoup de noir et blanc pour de l'économie, tout simplement parce que c'est moins cher. Et en numérique aussi, la couleur n'était pas à l'époque. Donc, effectivement, on passe aussi à des tirages en offset, tout couleur, enfin rapidement. Ça nous permet aussi de changer aussi la forme des livres, la qualité graphique des livres aussi. de toute façon, ça a été un changement radical. Il a fallu être hyper organisé. Il a fallu, voilà, les tirages, tout d'un coup, c'était du double, quoi, au triple. Et c'était, voilà, il fallait être plus carré, plus organisé. Il fallait vraiment, chose qu'on n'était pas du tout et qu'on a appris au fur et à mesure. Il nous reste encore beaucoup à apprendre, mais et voilà. Voilà. Ouais, alors j'aimerais qu'on parle dans un deuxième temps de la discussion, peut-être de la diffusion-distribution. Qu'est-ce qui motive le choix d'un diffuseur plutôt qu'un autre? Peut-être qu'on en parlera tous ensemble, mais enfin, en tout cas, dans votre cas, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une étape de professionnalisation de votre. Enfin, vous passez un peu. Enfin, vous passez d'une structure d'autodiffusion Oui, à voilà, ouais. diffuser, quoi. Vous avez combien de titres au catalogue et vous en faites à peu près combien par an? Ouais, alors j'ai pas le chiffre exact, j'ai pas été compté, mais je sais qu'il y en a une cinquantaine. Il doit y avoir 53, 54, je crois, tu vois. Et après, on est sur, je pense, maintenant 7-8 7, livres à l'année. 8, 7, 8 à l'année, à peu près, c'est la moyenne. Et donc, vous êtes salarié? Alors, pas du tout. En fait, on est resté. Non, on est resté, en fait, on est bénévole, complètement, quoi. C'est-à-dire que. On n'est que tous les deux déjà, il n'y a personne qui s'est rajouté depuis le début. C'est-à-dire que. Ouais, c'est-à-dire que vraiment à gérer la maison d'édition, on est deux. Après, il y a des auteurs ou des autrices qui nous aident. Par exemple, Anne Simon à Paris qui nous aide énormément Qui fait un gros boulot à Paris, c'est un peu notre agent. pour faire le suivi avec les belles lettres, Ouais. justement, ou avec certaines librairies pour des rencontres libraires, etc. Mais on reste à deux à gérer Et ça. puis c'est vrai qu'on se paye pas quoi. Enfin, on n'est pas du tout salarié, on n'a pas de salarié du coup. On fait nos petits boulots à côté d'illustrateurs ou de graphistes. Oui, c'est ça. La particularité quand même de votre structure, c'est que vous êtes tous les deux auteurs de bande dessinée. Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et donc, vous essayez de trouver cet équilibre entre votre métier d'auteur et puis d'éditeur, celui d'éditeur. Oui, parce que le métier d'éditeur, en fait, il est venu, c'était pas, je pense que c'était pas un Une vrai vocation, désir, quoi. ça s'est fait comme ça, parce que nous, on adorait faire des beaux livres avec des livres de gens dont on adorait le boulot, et on est devenu éditeur comme ça, mais à la base, voilà, on a toujours voulu être auteur de bande dessinée, et c'était pas Mais c'est vrai que éditeur. tu as raison d'en parler parce que c'est très chronophage, ça prend un temps fou et des fois même ça déborde sur effectivement sur voilà, le temps de faire ses propres BD, d'être auteur. Bah, voilà, il y a plein de cas dans la bande dessinée d'éditeurs, auteurs qui ont sacrifié un peu leur boulot d'auteur en étant éditeur. Mais Est-ce que malgré tout, on arrive quand même à trouver une espèce de petit équilibre et à continuer à faire nos BD à côté. du coup ça vous donne une expertise parce que vous savez ce que c'est qu'être auteur de bande dessinée ou peut-être une manière d'aborder les auteurs qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporte justement d'être auteur de bande dessinée? Moi, je pense quand même qu'on a. Je pense qu'on se place tout le temps au même niveau que l'auteur. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'on est auteur. Donc, même quand on réfléchit avec lui sur un manuscrit ou sur la forme du livre ou quoi, c'est vrai qu'on réfléchit en termes quasiment d'auteur et de nous, ce qu'on aimerait faire en tant Comme on a la qu'auteur. même façon de penser, voilà, comme un auteur ou une autrice, on a cette façon de faire et de penser. Ça peut être aussi un défaut par moment, parce que c'est-à-dire que des fois, sur des manuscrits, on peut trouver qu'il y a, je sais pas, une fin ne marche pas,
où il y a un passage du livre qui ne marche pas et c'est complètement subjectif, c'est parce que nous, en tant qu'auteur, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait comme ça. Donc, il peut y avoir aussi ce défaut-là. Qu'on essaye de gommer, mais je pense qu'on essaye d'être le plus, d'avoir le plus de recul possible et de faire, d'avoir juste un regard, chose qu'on fait l'un avec l'autre. À chaque fois, depuis toujours, on a toujours eu le regard l'un sur l'autre en disant ben, ce que tu as fait là, ça ne marche pas, ou fais gaffe, non, non, non. Et on le et fait. C'est vrai qu'on même à Misma, pour tous les choix, toutes les décisions, on est deux aussi à la base. Même si on a un peu les mêmes, plus ou moins les mêmes goûts, c'est vrai qu'il y a toujours, dès qu'il y a un doute ou quoi, ben, on va voir l'autre en lui disant ben, t'es sûr, machin. Il y a toujours cette, ce double œil. Voilà. C'est vrai que ça, c'est important aussi pour prendre des décisions. Ce n'est pas une personne toute seule qui décide. Alors maintenant, si vous deviez parler de la ligne éditoriale de Misma, comment vous en parleriez? Est-ce que vous arrivez à la définir un peu clairement, ou est-ce que c'est les projets qui la définissent? Comment vous en parleriez? Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait une... Ben nous, en tout cas, on ne réfléchit pas en termes de ligne éditoriale. C'est vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire c'est vraiment les projets, le dessin, le graphisme qu'on va aimer. Après, c'est sûr qu'il y a une espèce de tendance, hein, je pense, dans tout ce qu'on aime. Je pense qu'on a un goût quand même pour les comment dire, les dessins un peu... Des fois, les dessins un peu naïfs, ou les dessins un peu... ou les univers un peu pop. Ou les, on a un goût quand même pour le... Comment je pourrais appeler ça? Pas des dessins naïfs, mais si un certain style de dessin quand même. C'est sûr qu'on publie pas de l'hyper-réalisme quoi. En bande dessinée, on aime les traits particuliers, les traits un peu bruts. Et à la fois, c'est souvent des fictions aussi, c'est-à-dire qu'on fait rarement, on a pu faire un peu d'autobiographie, mais c'est souvent des univers fictionnels. Et l'histoire aussi, le récit est très important, c'est-à-dire que voilà, il y a à chaque fois, c'est faut que l'histoire nous embarque aussi. Si c'était juste un livre une bande dessinée juste d'images, on le ferait peut-être pas parce que ça. Voilà, ça nous, on a besoin qu'on nous raconte des histoires et d'avoir des livres avec des histoires qui racontent des choses. Quoi. Mais après, même s'il y a une esthétique, je rebondis sur le fait que même si tous les livres peuvent avoir a priori une esthétique très pop ou très colorée, très très joyeuse, il y a quand même toujours une petite pointe ou d'ironie ou de noirceur dans les récits. Enfin, c'est pas tout. C'est vrai que souvent on vient nous voir sur le stand et quand ils voient, ils les couvrent, ils disent mais c'est pour les enfants, machin. Puis on est obligé de dire ah ben non, pas forcément. C'est plutôt adulte, ou même les récits ne sont pas forcément tous hyper joyeux. Mais il y a cette esthétique un peu effectivement colorée pop qui, des fois, peut mettre le doute, quoi. Alors, Mélanie est en train de présenter le catalogue. Là, vous avez mis en avant quelques-uns de vos titres. Donc, c'est dans la première partie du catalogue. Ensuite, il y a le reste des titres en dessous. Est-ce que vous avez envie de parler plus précisément de titres emblématiques pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui fait le style des livres chez Misma? Ben ouais, alors à ce moment-là, je vois qu'il y a Anne Simon qui est au tout début là avec Gousse et Gigot. C'est vraiment c'est parfait parce que c'est celle qui réunit tous les à la rigueur tous les éléments quoi. C'est-à-dire que Anne, ce qu'elle fait, c'est des histoires à la base qui sont des mélanges de mythologie, de récits mythologiques, de récits un peu féministes et tout ça. Et à la fois, elle va mélanger des références de culture populaire comme les Beatles, David Bowie, et Simone de Beauvoir. Enfin, elle va faire un mix à la fois de choses très pop, très même rock, et à la fois de historique et avec un dessin hyper, comme on peut le voir... Même le chat, là, il est inspiré de Yellow Submarine, par exemple. Ce chat taxi qui est dans son histoire, c'est inspiré complètement de Yellow Submarine des Beatles. Donc voilà, Anne Simon, c'est complètement le... Et puis, c'est un univers complètement créé de A à Z. Enfin, elle a ses propres décors, ses propres... Enfin, voilà, c'est vrai qu'on plonge dans son univers qui est vraiment le sien et qui est unique. Mais en plus, pour la petite histoire, c'est marrant, c'est bien de parler d'Anne Simon parce que c'est vraiment, je crois qu'au début, je pense, si on crée Misma... Je pense qu'un des premiers livres qu'on fait, c'est un livre d'Anne et c'est une des premières à laquelle on pensait effectivement publier quand on crée Misma. Donc c'est la première autrice qu'on a été chercher en disant on veut à tout prix publier ce qu'elle fait, on adore son boulot. Ça montre bien que c'est un peu la genèse de ce que va devenir Misma plus tard et c'est ce qu'on aime. Moi j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de filles, enfin pas mal d'autrices et il y a pas mal d'auteurs et d'autrices étrangers. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une assez grande prise de risque. Par exemple, Trois papas, c'est un premier livre d'un auteur étranger, ce qui demande quand même des efforts en termes d'investissement financier. Ils ne sont pas négligeables pour une petite structure.
Il y a vraiment un désir pour vous de, comme dirait Morvandieu dans son article, de trouver des cousins éloignés. Ouais, ben c'est toujours encore une fois le coup de cœur. Pour revenir sur les autrices, ça par contre, c'est vraiment, ça s'est fait de manière sans s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'on aimait le boulot de ces autrices-là et on n'a pas réfléchi. Et c'est vrai que souvent sur les stands, il y a encore, enfin, il y a peut-être 10 ans où le stand Misma, c'était un stand où il y avait plein d'autrices, alors qu'à côté, c'était plutôt, il y avait pas mal de stands plutôt masculins. Donc c'était assez drôle. Et je crois que c'est à ce moment-là, il y a un moment où on nous a dit, mais ouais, chez Misma, vous publiez plein d'autrices. Et on s'en est rendu compte, on a dit, ah, mais oui, c'est vrai. Et en fait, c'était pas volontaire, quoi. Et je trouve que c'est juste parce que c'était des super boulots et que c'était des super livres qu'elles nous proposaient. Et que c'était. Je pense qu'on a toujours été entouré de filles aussi et d'amis filles depuis l'école, etc. Donc je pense qu'on reproduit ça aussi avec la maison d'édition. On aime on aime être entouré d'autrices et de filles. Je sais pas. On se sent proche d'une sensibilité féminine. Après, les cousins éloignés. Hein? Les cousins éloignés. Et de l'international et tout ça. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, on est aussi allé chercher. Comme on fonctionne au coup de cœur, même si des projets à l'international qui nous ont plu, on est aussi allé les chercher. Mais ça s'est fait aussi, c'est pareil, ça s'est fait à un moment donné, à partir du moment où on passe en distribution et diffusion professionnelle, là où au départ, effectivement, au début, on publiait plutôt les amis proches, donc des auteurs des gens qui avaient fait les écoles avec nous. C'est parce qu'on est distribué, diffusé, qu'on peut se permettre aussi d'aller chercher des gens à l'international, de leur dire, venez, on peut faire des bouquins, vous diffuser en France. Et on peut vous apporter une visibilité, chose qu'avant, on n'aurait pas pu, parce qu'avec 200, 300 exemplaires en numérique, on peut. Et peut-être qu'on va finir avec vous, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, pour finir juste, pour revenir sur Anne Simon. Peut-être parler de sa grande exposition à Colomiers cet hiver. Oui, et bien du coup en novembre, c'est super parce que le festival de Colomiers avec le pavillon blanc de Colomiers prévoit la grande expo qui est dans tout le hall du pavillon blanc. Ça sera une exposition justement Anne Simon sur ses livres Les Contes du Marilyn. Et du coup, c'est génial parce qu'on va faire ça à trois avec Anne. On va être tous les trois commissaires d'expo et on va réfléchir à cette exposition et après pour présenter tout l'univers d'Anne. Et ça. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être une belle expo. Et puis je pense que c'est la première fois que vraiment tout son univers sera réuni dans une seule expo. Donc oui. Oui, et juste une dernière question. Si on veut voir, l'endroit où on peut voir le plus de vos ouvrages, alors c'est Colomiers, vous évoquiez aussi Bandy à Toulouse. Ouais, dans la région, c'est surtout Colomiers et Bandy. Après, il n'y a pas d'autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autres festivals ? On n'a pas d'autres festivals dans la région. Et après, dans les librairies toulousaines. On a nos librairies et de la région, quand même, ils nous supportent bien. Et souvent, il y a même une bonne partie du catalogue, même les titres de fond. On peut trouver encore les titres de fond, etc. Ouais. Que ce soit Ombre Blanche ou Terre de Légende. Oui, voilà. Librairies.